tous. Voilà, alors je suis ravi de vous accueillir au sein de l'auditorium du Musée d'Histoire pour un nouveau rendez-vous des Mardis de l'Histoire consacré donc à notre exposition du moment, la Marseillaise, que nous organisons donc au musée dans la salle d'exposition temporaire jusqu'au 3 juillet prochain. Vous avez d'ailleurs à l'accueil du musée donc l'aide à la visite, le document d'aide à la visite concernant cette exposition qui vous présentera également l'ensemble de la programmation culturelle que nous avons mise en place donc en lien avec l'exposition temporaire. Vous le savez peut-être déjà, mais nous organisons donc bien entendu un cycle de conférences en lien avec l'exposition La Marseillaise, mais aussi énormément de balades urbaines, des rendez-vous thématiques autour de la danse, de la musique. Donc il y aura notamment samedi, dans le cadre de la Nuit des musées, un concert qui sera proposé à 20h, donc autour en fait de la musique urbaine, hein, parce que l'idée c'est de proposer des réinterprétations autour donc de la Marseillaise, des chants révolutionnaires ou des hymnes nationaux. Voilà, très bien. Alors voilà, je remercie surtout Mathieu Schneider, donc co-commissaire de l'exposition La Marseillaise, qui a contribué avec un ensemble de conservateurs et de musicologues. Donc vous êtes musicologue, hein, et vous êtes maître de conférences en musicologie à l'Université de Strasbourg, hein, vice-président de l'Université de Strasbourg, et vous avez travaillé sur le volet musical plus spécifiquement autour de cette exposition. Et donc ce soir, vous nous proposez donc de Berlioz aux Beatles, La Marseillaise dans les répertoires musicaux des 19e et 20e siècles, qui est votre sujet de recherche aussi très, très spécifique. Voilà, donc ça a été d'ailleurs une grande chance de vous avoir à nos côtés pour mettre en place ce projet d'exposition. Le prochain rendez-vous autour de l'exposition La Marseillaise, ce sera avec un autre commissaire qui s'appelle Alain Chevalier et qui est donc conservateur au domaine départemental de Vizille. Ça aura lieu donc le 7 juin prochain. Et j'ai oublié quand même un autre rendez-vous le 31 mai avec un historien émérite spécialisé dans la Révolution française et l'époque napoléonienne, qui est Patrice Guénifet, et qui interviendra avec un professeur de Sciences Po Aix, Walter Bruyère-Ostels, sur la question de la Marseillaise, donc dans le cadre du 19e siècle, et donc les différents épisodes, les vicissitudes qu'a rencontré ce chant, la Marseillaise, au travers du 19e siècle. Voilà, mais là, je laisse place à Mathieu Schneider pour ce soir, donc, sur le thème de la musique et des réinterprétations musicales de la Marseillaise au 19e et 20e. Et on se retrouve ensuite pour éventuellement poser des questions à Monsieur Schneider. Merci. Bien. Ah voilà, là je m'entends dans une généreuse amplification, mesdames et messieurs, chères Marseillaises, chers Marseillais, et des alentours aussi, et d'ailleurs, et de l'étranger, je ne sais trop. Bienvenue à cette conférence, c'est un grand plaisir donc d'être parmi vous aujourd'hui, de retourner dans ces lieux que j'ai fréquentés, comme le disait Jérôme, pendant quelques années, puisque ce projet d'exposition a mûri pendant 3 ans et, j'allais dire, a eu une année de plus de maturation en raison de la pandémie. Donc ça nous a permis de bien travailler le sujet. Et donc aujourd'hui, je vais vous donner un éclairage qui, je pense, est assez complémentaire de ce que vous pouvez voir dans l'exposition, même si vous allez retrouver certains jalons musicaux qui se trouvent dans les 4 médiathèques, hein, de cette exposition. L'idée pour moi est de vous proposer, alors ça va être une conférence sur un mode un petit peu agréable, j'allais dire, c'est vrai qu'il est mardi à 6h, je vais vous proposer un parcours musical à travers les siècles que je vais commenter et surtout que je vais mettre en articulation de sorte à ce que vous compreniez ce que la Marseillaise est progressivement devenue. La Marseillaise, vous savez, tout au début, elle s'appelait d'ailleurs même pas la Marseillaise, elle s'appelait Chant de guerre des armées du Rhin.
Elle a été composée à Strasbourg, donc voilà, c'est d'où la relation aussi entre nos deux villes pour faire l'exposition. Et de champ de guerre, elle est devenue progressivement au XIXe siècle un emblème révolutionnaire, un symbole des forces vives qui voulaient contester l'ancien régime, qui voulaient contester la monarchie et qui voulaient lui supplanter un régime démocratique et républicain, avant de devenir, et elle ne l'est devenue que tardivement, un hymne national en 1879. Et donc dans ces trois temps dans lesquels la Marseillaise a un statut très différent, puisqu'en tant qu'emblème révolutionnaire, elle a été pendant tout le XIXe siècle censurée. Et donc c'était un hymne, un chant interdit qui valait à certains d'entre eux, de celles et ceux qui l'ont chanté, soit des menaces, soit des arrestations. Donc il faut bien comprendre que de ce fait, les compositeurs, parce que moi je suis historien de la musique, donc c'est cet angle-là que je vais prendre, mais en le mettant toujours en arrière-plan, en articulation en tout cas avec l'arrière-plan historique, eh bien les compositeurs s'en sont saisis d'une manière très différente. Et je vais donc à la fois parcourir le XIXe siècle, mais aussi le XXe siècle où la Marseillaise va reprendre cette connotation révolutionnaire, notamment dans les années 1960-1970, et on aura l'occasion de le voir avec Beatles ou avec Serge Gainsbourg. Elle retrouvera au fond, paradoxalement, mais dans un genre très différent, qui est le genre de la variété ou de la musique pop, elle retrouvera des significations bien plus anciennes. Donc c'est à travers ce parcours musical dans le temps que je vous convie maintenant. Et j'aimerais commencer, puisque j'ai dit, voilà, le titre c'est de Berlioz aux Beatles, il faut savoir que la Marseillaise donc, a été composée à Strasbourg dans la nuit du 25 au 26 avril 1792. Je vais en rappeler brièvement les circonstances. Donc vous savez que le 20 avril 1792, sous la contrainte, Louis XVI déclare la guerre au roi d'Autriche et de Hongrie. Il est contraint par les révolutionnaires de porter en leur nom, d'une certaine manière, et à son insu, la révolution en dehors des frontières de France. Et il publie donc un appel aux volontaires qui est relayé dans un certain nombre de villes, dont à Strasbourg, évidemment à Marseille aussi. Et donc il est placardé le 20 avril 1792 à Strasbourg. Alors comme Strasbourg est certes une ville de garnison française à l'époque, mais on y parle les deux langues, petite particularité, cet appel aux volontaires est publié à la fois en français et en allemand. Je reviendrai sur cette question des langues parce qu'elle est importante aussi sur la Marseillaise. Donc le maire de l'époque que vous voyez ici avec sa femme, donc Frédéric de Dietrich et sa femme Sibylle Ox, qui étaient des musiciens, des aristocrates éclairés et qui étaient favorables à une monarchie constitutionnelle et qui étaient plutôt, j'allais dire, dans l'élan révolutionnaire, en tout cas qui étaient favorables à cet appel aux volontaires. Ce maire de Strasbourg va relayer cet appel et il juge qu'au fond, placarder des affiches, ça ne suffit pas et que ce serait bien d'avoir un chant pour motiver ses troupes. Et c'est là qu'il va demander à Rouget de Lisle, qui est un capitaine du génie, qui est stationné à Strasbourg, qui est compositeur à ses heures perdues, ce n'est pas un musicien professionnel, il va lui demander de composer un chant pour l'armée du Rhin, puisqu'évidemment cette armée est stationnée à Strasbourg. C'est évidemment la première. Si on va faire la guerre contre l'Allemagne, c'est évidemment par le Rhin qu'on va commencer. Donc évidemment, la mobilisation, si les volontaires sont appelés à Paris, elle va passer ensuite par le flanc est de la France. Le chant est dédié au maréchal Luckner, qui est le maréchal en chef des armées du Rhin. Et il est composé donc par Rouget de Lisle. Alors on peut se demander pourquoi Rouget de Lisle au fond. Parce qu'à Strasbourg, il y avait un maître de chapelle, et non des moindres, un certain Ignace Pleyel. Alors vous connaissez peut-être les pianos Pleyel, qui sont une marque française, mais c'est une famille autrichienne. Ignace avait fait ses études avec Haydn à Vienne, c'est un très bon musicien pour son époque. Il a le poste de maître de chapelle, qui est assez prestigieux à l'époque à la cathédrale de Strasbourg. Et en fait, il est parti, pendant le printemps 1792, il est parti parce qu'il a rejoint entre autres Haydn, qui à ce moment-là faisait une tournée de concerts à Londres, et dont il a d'ailleurs ramené les fameuses symphonies londoniennes. Si vous êtes mélomane, vous devez les connaître. Donc Pleyel n'est pas là, et il faut bien quelqu'un pour composer ce chant. Et comme Rouget de Lisle avait pas mal travaillé avec Pleyel, notamment à la composition de la musique de la fête révolutionnaire qui s'était tenue en 1791 sur la place d'Armes, qui est aujourd'hui la place Kléber à Strasbourg, eh bien on a demandé à Rouget de Lisle. Donc Rouget de Lisle s'exécute et il compose une première version de ce chant, j'ai dit une première version, qui est immédiatement publiée sous forme de feuille volante. Vous en avez d'ailleurs un exemplaire qui figure dans l'exposition.
L'édition est assurée par un imprimeur strasbourgeois qui s'appelle Dan Bach et qui publie le chant en deux langues. Donc, en fait, très paradoxalement, ce chant qui devra devenir, mais il n'avait pas cette vocation-là, évidemment, mais qui deviendra l'hymne national français, dispose immédiatement d'une version allemande, qui ne sera d'ailleurs pas la version allemande officielle, qui sera, elle, traduite au cours de l'été 1792, dans le grand élan révolutionnaire, par un certain Heiloge Schneider, qui était un anarchiste révolutionnaire bien connu en Allemagne, et qui est le premier traducteur officiel de la Marseillaise. Petit détail, mais je crois que c'est important, on parle souvent des questions de langue, et évidemment, je pense que c'est important de savoir. Alors, je vais vous faire entendre une chose tout à fait inédite. Là, c'est un document que vous ne trouvez nulle part, ni sur YouTube, etc., ni sur le net. C'est un enregistrement qu'on a fait faire pour l'exposition. Donc j'ai repris la toute première édition. On a travaillé avec une claveciniste très spécialisée de cette époque-là, qui est Aline Silberreich. On l'a enregistré sur un pianoforte, donc a corrigé quelques fautes. Il y avait quelques fautes de copie, des fautes d'harmonie, bon, qui ne sont pas des fautes gravissimes, hein, mais c'est des erreurs qui arrivent. Et donc je vais vous faire entendre ce qu'était la Marseillaise au tout début. Et vous n'avez pas besoin d'être un grand mélomane, vous allez vite reconnaître un certain nombre de différences. La première différence, elle est dans le début du chant, puisque la Marseillaise se reconnaît aujourd'hui à sa carte. Donc trois notes répétées plus une carte. Hein, si on commence, tout le monde ici en France sait comment continuer la mélodie. Donc la carte initiale est quasiment aujourd'hui le signe distinctif de la Marseillaise, sans même avoir besoin de chanter le reste. Eh bien, vous allez remarquer que en 1792, elle n'y était pas là. Alors évidemment, il s'agit ici d'une version pour piano seul que nous avons adaptée, d'où le fait que vous avez des petites ritournelles et des petits ornements qui ont été rajoutés. Mais la mélodie en elle-même, vous avez pu la suivre, elle contient un certain nombre de différences. Alors comment expliquer ces différences? Eh bien en fait, j'allais dire, c'est plutôt ces différences qui nous expliquent le destin de ce chant. C'est que les personnes qui ont chanté la Marseillaise, pour la plupart, ne savaient pas lire les notes, puisque ça s'adressait à des volontaires, donc des citoyens, ça s'adressait à des soldats, et bien ces gens-là ne savaient pas lire les notes, donc évidemment ça s'est transmis de bouche à oreille, et le téléphone arabe a tellement bien fonctionné que quelques mois plus tard, cette Marseillaise était arrivée ici à Marseille, donc ce chant de guerre des armées du Rhin était arrivé à Marseille, et il a été appris par François Mireur aux sympathisants révolutionnaires, aux volontaires qui ensuite sont montés à Paris, et là vous connaissez l'histoire, d'où le nom après d'hymne des Marseillois ou Marseillaise. Donc ça veut dire que ce chant a énormément circulé. Entre avril 1792 et juillet 1792, je dirais même, on peut même aller jusqu'à septembre, puisque c'est en septembre qu'on va donner la première fois à Paris la Marseillaise dans le cadre d'une cantate, une cantate révolutionnaire que l'on dédie à la victoire de Valmy. Vous savez que ces troupes, donc galvanisées, si je puis dire, par la Marseillaise, se retrouvent à Paris et vont livrer leur premier combat le 20 avril 1792 à Valmy. Une bataille qui, contre toute attente, se solde par une victoire des troupes révolutionnaires. Et donc, en principe, l'usage à ce moment-là est de donner un Te Deum,
hein, pour rendre grâce à Dieu d'avoir gagné la bataille. C'est ce qui était fait sous l'Ancien Régime. Évidemment, à l'époque révolutionnaire, il n'y avait pas question de rendre grâce à Dieu, ni Dieu ni maître, en tout cas ni Dieu ni roi, évidemment, tout au plus un être suprême, hein, c'est ce dont les hymnes religieux se transforment en hymnes à l'être suprême à cette époque-là. Et donc on transforme le Tédéum en cantate révolutionnaire et on demande à François-Joseph Gossec, compositeur qui était déjà à Paris depuis dans les années 1780, de composer la musique et d'agréger un certain nombre de chants révolutionnaires. Et cette cantate finira par la Marseillaise, qui à ce moment-là devient l'hymne des Marseillois, elle est intégrée en tant que telle, et il en compose une grande partition pour orchestre, chœur et soliste. Et il pose donc les bases de ce que sera la mélodie que l'on considère aujourd'hui comme définitive de la Marseillaise. Donc en fait, il y a 6 mois pendant lesquels la Marseillaise, elle chante, elle circule, elle passe et elle bouge. Et c'est la raison pour laquelle ce que vous entendez là, ce qu'on a chanté le 25 avril 1792, le soir à Strasbourg, eh bien, ce n'est pas tout à fait ce qu'on connaît aujourd'hui de la Marseillaise. Alors cette circulation de la Marseillaise, c'est très important de l'avoir à l'esprit. Et on en a un autre témoin, c'est que très rapidement, la Marseillaise va passer dans le répertoire savant. C'est-à-dire que, pas seulement dans cette cantate, mais elle va devenir un air tellement populaire que quand on va faire des pot-pourris d'air et de chants révolutionnaires, eh bien, on va intégrer la Marseillaise. Et ça se fait non seulement dans des pot-pourris, j'allais dire, à destination du peuple, mais aussi dans des œuvres plus sérieuses, comme par exemple dans cette symphonie concertante qui est mêlée d'air patriotique, comme le dit lui-même dans le titre le compositeur Jean-Baptiste Davot, qui est un grand compositeur de musique de chambre et de symphonie des années 1780, actif encore en 1780, dans les années 90. Il compose cette œuvre en 1794, et je vais vous en faire entendre un petit extrait, ça dure 12 minutes, évidemment on n'a pas le temps d'entendre tous les extraits en totalité. Et ça vous donne un peu une idée. Donc le premier mouvement est entièrement composé sur la Marseillaise, mais ce n'est pas une paraphrase. Il découpe la Marseillaise en bouts et il les remet dans des ordres différents. Donc on ne commence pas par le début, vous allez entendre. Et il fait des variations à partir de sections de la Marseillaise. Alors je vous laisse un peu sur votre faim, mais je vous rassure, vous pouvez entendre la totalité de l'extrait dans les médiathèques de l'exposition, donc ce sera une bonne occasion, si vous ne l'avez pas déjà fait, d'y retourner. Donc, ce chant de la Marseillaise,
va, comme je l'ai dit, être ensuite censuré. Il est d'abord censuré par Napoléon, enfin pas Bonaparte ne le voit pas d'un très bon œil, et Napoléon, l'empereur, encore moins quand il est couronné en 1804, puisqu'évidemment il n'a aucune envie de voir revenir la Révolution dans son empire. Donc le chant est interdit. Tout au plus, on le chante vaguement dans l'armée quand il s'agit de se donner un peu de cœur à l'ouvrage, notamment quand il s'agit de passer, mais on est avant 1804, le col du Grand Saint-Bernard, alors avec tout l'équipement. Donc on sait par des chroniques de l'armée qu'il a été chanté à ce moment-là. On sait aussi qu'il est chanté au moment de la retraite de Russie, un moment un petit peu plus tragique où les soldats doivent regagner, après avoir perdu la guerre, regagner la France. Et évidemment, à partir du moment de la Restauration, en 1815, la Marseillaise continue d'être interdite à la fois par Louis XVIII et plus encore par Charles X, qui va durcir le régime à tel point que la Révolution, comme vous le savez, éclate du 27 au 29 juillet 1830 dans les rues de Paris. Et vous voyez ici ce tableau de Jean-Abel Lordon, qui montre justement cette attaque, ces barricades qui sont dressées un petit peu partout dans la ville de Paris. Donc à ce moment-là, évidemment, la Marseillaise va connaître une renaissance naturelle, puisque c'était le chant de la première révolution. Il est assez naturel qu'elle accompagne aussi les révolutionnaires, les jeunes romantiques notamment, dans cette quête d'un nouveau régime après la censure et le régime quasiment de terreur imposé par Charles X. Donc, il est parmi ces jeunes gens sur les barricades un certain musicien, tout jeune, il a 27 ans, du nom de Hector Berlioz. Alors Hector Berlioz, il jouait d'abord de la guitare du côté de Grenoble, où il est né, à la Côte Saint-André, où se tient d'ailleurs annuellement toujours un festival Berlioz. Il est monté à Paris pour faire ses études au conservatoire. À ce moment-là, il n'a pas encore créé sa symphonie fantastique, qui ne sera créée qu'en décembre de cette année. Donc, c'est un compositeur qui est encore, j'allais dire, tout jeune et qui a ses preuves à faire. Il a postulé pour le prestigieux prix de Rome, mais il ne l'a pas eu. Il ne l'aura que quelques années plus tard. Et ce jeune compositeur fougueux, se dit que la France mérite mieux que ce régime autocratique et monarchique, et que la France a besoin d'avoir une œuvre qui incarne cet idéal de liberté, et il va donc se mettre à faire la transcription de son plein gré, sans qu'on la lui demande, évidemment, ce n'est pas le roi qui lui aurait demandé, faire la transcription, l'arrangement en tout cas, pour grand orchestre, chœur d'enfant et soliste, et une voix indiquant que tout homme, toute femme, voulant prêter son concours à la nation, peut chanter, est invité à chanter ce chant. Donc en fait, c'est la première œuvre participative de l'histoire de la musique. En 1830, Berlioz réalise donc ce grand arrangement qui ne sera pas joué de son vivant, puisque en 1830, cette œuvre est rapidement interdite après la Révolution. Elle le sera tout autant en 1848. Donc on ne joue pas cette œuvre en 1830, mais il la garde dans ses tiroirs. Et elle sera évidemment ressortie bien plus tard et fait aujourd'hui, à partir du moment où elle devient chant national, et elle fait aujourd'hui office d'arrangement officiel pour version symphonique, beaucoup plus que la version de Gossec qui avait été faite en 1792. Berlioz avait un peu plus de talent, et surtout il a écrit pour un orchestre moderne. En 1792, on avait des orchestres beaucoup plus réduits dans leur taille. Et donc cette Marseillaise de Berlioz va donc il en fait l'arrangement au printemps 1830, donc avant les événements révolutionnaires. Et quand la Révolution éclate, ce même 29 juillet 1830, qui est représenté ici sur le tableau, il se trouve du côté, il le raconte dans ses mémoires, il se trouve du côté de la rue Vivienne, dans aujourd'hui le deuxième arrondissement derrière le Palais Royal, avec quelques amis, puis il chante des chants révolutionnaires, puisqu'ils reviennent des barricades, et puis tout à coup, il se dit, si on chantait la Marseillaise. Et il commence à chanter la Marseillaise, puis il le dit lui-même, on chante la première strophe, il ne se passe rien. Les gens ne réagissent pas. Puis alors, il interpelle un peu la foule en disant, mais vous ne voulez pas chanter avec nous? Et à ce moment-là, relate-t-il dans ses mémoires, je vous le fais court parce que ça dure tout un chapitre et il l'écrit en 5-6 pages. À ce moment-là, dit-il, la foule entière se met à reprendre la Marseillaise, qui était toujours interdite, je vous le rappelle.
et 4 à 5 000 personnes, dit-il, jusque sur la rue des Petits Champs, jusqu'à la place des Victoires, se mettent à chanter la Marseillaise. Et il dit qu'à ce moment-là, il a eu la confirmation que son pressentiment que cette Marseillaise était destinée à une foule tout entière était bien confirmé, et donc qu'il avait bien eu raison d'indiquer sur sa partition qu'elle était chantable par tout citoyen qui avait un certain idéal de la nation. Alors je vous fais entendre cette version qui a pour elle à la fois le génie de Berlioz, évidemment, mais aussi de traiter chacune des 7 strophes différemment. Notamment, par exemple, la strophe où il est question de l'amour sacré de la patrie. Cet amour sacré, cet amour presque religieux de la patrie, est traduit par Berlioz par un style religioso. Donc on a une musique très, très épurée qui évoque tout à fait la musique d'église à ce moment-là. Et la dernière strophe, vous savez, la fameuse « Nous entrerons dans la carrière quand nos aînés n'y seront plus », qui est celle qu'on appelle la Marseillaise des enfants, elle est chantée par un chœur d'enfants. Donc voilà. Alors on n'aura pas le temps, là encore, d'entendre les 10 minutes, mais je vous en fais entendre, en tout cas, ces deux dernières strophes. Avancer, voilà. Voilà. Nous avons fait l'expérience à Strasbourg, lorsqu'on a présenté l'exposition au mois de novembre, de la faire chanter à l'opéra avec 1000 personnes en mode participatif dans la salle. J'étais sur la scène, je peux vous dire que quand on entend cette version-là avec 1000 personnes dans la salle et 200 sur la scène qui chantent, vous n'en sortez pas tout à fait indemne. Voilà. Donc Berlioz n'avait pas tout à fait tort. Il y a là une émotion, une fibre patriotique, alors qui tient peut-être aussi à des constructions culturelles. Nous sommes évidemment éduqués dans cette optique-là, mais je pense que ce chant, indépendamment des codes culturels et du contexte qu'on peut lui donner, a en soi une force expressive. Et la preuve, justement,
c'est que un mois plus tard, donc là on était le 29 juillet 1830, le 25 août 1830, cette même Marseillaise va être le chant au son duquel les Belges, et c'est pas une histoire belge, en tout cas pas une blague, les Belges donc vont faire la révolution dans les rues de Bruxelles, révolution qui est une guerre d'indépendance contre le roi des Pays-Bas qui domine à l'époque sur la Belgique. Donc, alors, comme vous savez, la Marseillaise était un chant interdit, elle l'était tout autant d'ailleurs dans les autres pays d'Europe. Et donc, il y a une histoire un petit peu intéressante, pas seulement un petit peu, une histoire véritablement intéressante autour de cette révolution belge, puisqu'elle va se faire au son caché de la Marseillaise. Alors, je m'explique. En 1828, il faut qu'on revienne un petit peu en arrière, en 1828, un certain compositeur français, un grand compositeur d'opéra des années 1820, qui s'appelle Aubert, Daniel François Esprit Aubert. Si vous êtes allé à l'Opéra à Paris, vous savez qu'à côté de l'Opéra Garnier, il y a une rue Aubert, donc c'est le même monsieur Aubert. Aubert écrit un opéra qui fait date, qui s'appelle La Muette de Portici. La Muette de Portici, elle met en scène la révolte des pêcheurs italiens, napolitains, au XVIIe siècle, contre le vice-roi de Naples, qui est en fait un Espagnol. Et les Napolitains veulent disposer eux-mêmes de leur ville, veulent chasser l'Espagnol de leur terre. Et donc cette révolution, elle est fomentée par deux pêcheurs, principalement, qui sont Pietro et Masaniello. Alors il se trouve que Masaniello a une sœur qui est muette, d'où le nom, d'où le titre, La Muette de Portici, et cette sœur, Fenella, le vice-roi en est secrètement amoureux. Donc évidemment, vous voyez la complication qui arrive. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, ça finit assez mal pour les pêcheurs. Bon, voilà, la révolution n'aboutit pas. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que quand Pietro et Masaniello appellent à la révolte, à la fin du deuxième acte, ils appellent, alors non pas au son de la Marseillaise, puisque s'ils l'avaient fait, bien l'œuvre aurait été censurée à l'Opéra de Paris, elle n'aurait pas pu être donnée en 1828, mais ils reprennent justement le premier vers de la sixième strophe de la Marseillaise que vous venez d'entendre, Amour sacré de la patrie, et ils mettent une autre musique. Mais tout le monde à l'époque connaissait les paroles de la Marseillaise, et Amour, particulièrement cette sixième strophe, puisque c'est Amour sacré de la patrie, liberté, liberté chérie. Donc c'est vraiment l'hymne à la liberté et à la patrie, en tout cas à la patrie libérée. Et c'est la raison pour laquelle les révolutionnaires belges vont choisir une représentation de la Muette de Portici le 25 août 1830 à la Monnaie de Bruxelles pour faire éclater dans la salle et ensuite dans les rues de Bruxelles la Révolution. Donc je ne peux m'empêcher, puisqu'il y a un lien secret entre la Marseillaise et la Belgique, même si après la Brabançonne a été acceptée et adoptée comme hymne officiel de la Belgique, je ne puis m'empêcher de vous faire entendre ce duo, puisque non seulement c'est une très belle pièce musicale, et qu'en plus elle a un lien direct avec notre sujet. Il me devra sa liberté.
Je crois que vous avez compris que sur ce rythme entraînant, on imagine bien, évidemment, non pas la foule reprendre ce thème, parce que ce n'est pas facile à chanter, mais s'échauffer et ensuite chanter dehors la Marseillaise. Alors, je disais que la Marseillaise a été interdite pendant une grande partie du XIXe siècle. Évidemment, c'est vrai, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas été chantée. Et qu'elle a continué, alors, non seulement dans les révolutions, mais aussi à certains moments officiels. Et c'est le cas en 1840, lorsque, vous savez, c'était un grand projet de Louis-Philippe de ramener, dans un souci de concorde nationale, de ramener les cendres de Napoléon, qui étaient toujours à l'île Sainte-Hélène, de les ramener à Paris et de les placer aux Invalides. Donc c'est la décision est prise au mois de mai 1840 et il faudra 6 mois pour affréter les bateaux qui vont aller à l'île Sainte-Hélène et ramener les cendres dans un catafalque, tout ça dans une énorme procession. Vous voyez ici un tableau qui relate justement donc au mois de décembre, la descente des Champs-Élysées par cet énorme chariot, ce cortège dans lequel se trouvent les cendres de Napoléon. Alors évidemment, Napoléon, à ce moment-là, ce n'est pas tellement l'empereur, c'est surtout sous Louis-Philippe celui d'une France glorieuse et d'une France qui se battait pour les idéaux de la liberté. Donc au fond, Napoléon, à son insu, alors qu'il avait interdit la Marseillaise et qu'au fond, il avait rétabli l'Empire à la place d'une monarchie, est perçu dans ces années 1840 comme une figure positive associée aux idéaux révolutionnaires. On en a pour preuve 2 témoins oculaires de ce cortège de 1840, et non des moindres, un certain Victor Hugo et un autre Richard Wagner. Alors Victor Hugo, c'est plus attendu qu'il soit là. Richard Wagner rêvait toujours de faire carrière à Paris, à ce moment-là, il était à Paris. Et tous les deux disent la même chose, alors où ils avaient tous les deux bu, ou alors ils étaient pas au bon endroit, mais c'est peu probable. Ils disent qu'en même temps que le cortège passe, la foule a entonné la Marseillaise. Preuve que donc cette Marseillaise va être associée assez rapidement à l'idée d'une France libérée, si je peux dire, en tout cas démocratique, républicaine, comme on disait à l'époque. Le mot républicain aujourd'hui a pris une autre connotation. À cette époque-là, on parlait de France républicaine. Et d'un Napoléon, au fond, sauveur de la France. Et on va voir une coïncidence très curieuse en cette année 1840. Donc Wagner, je vous l'ai dit, est à Paris. Et au même moment, Robert Schumann, un autre grand compositeur de l'époque, allemand lui aussi, est à Leipzig. Et tous les deux vont revenir à un poème de Heinrich Heine, le poète allemand, qui lui aussi s'était exilé d'ailleurs à Paris parce qu'il avait des idées beaucoup trop progressistes pour l'époque, et l'Allemagne avait une censure encore plus dure que la France. Heine avait écrit en 1820-21, au moment de la mort de Napoléon, un poème qui s'appelait « Les deux grenadiers », « Die beiden Grenadiere », qui évoque le retour de 2 grenadiers, donc c'est des soldats d'élite de Napoléon, après la retraite de Russie. Et on sait qu'au moment de la retraite de Russie, eh bien, les soldats et les grenadiers ont chanté la Marseillaise. Et ils vont tous les deux se servir de cet épisode en 1840, pour suggérer, puisque c'est ce que suggère le poème de Heine, c'est que Napoléon n'est pas mort, et qu'un jour Napoléon ressuscitera, et qu'il libérera les soldats de leur tombe, et qu'il reconstituera la grande armée, et que cette grande armée libérera l'Europe. Et donc, Heine
faisaient cette prémonition en 1820. Schumann et Wagner, au même moment, en cette année. Alors pour Wagner, à la fin 1839, et Schumann, quelques mois plus tard, début 1840, vont reprendre ce poème et vont le mettre en musique. Wagner va le mettre en musique en français, puisqu'il est en France, donc dans une traduction assez bancale, on ne va pas revenir dessus. Et il ne s'en est pas vraiment rendu compte, il ne parlait pas très bien le français. Et bien sûr, Schumann dans la version allemande de Heine. Et tous les deux, au moment où il est question de la résurrection de Napoléon, vont, c'est-à-dire la dernière strophe du poème, vont citer la Marseillaise. Et ils ne pouvaient pas savoir ce que l'un faisait, l'autre faisait, hein, l'un et l'autre faisaient. Leurs chants n'ont été publiés que beaucoup plus tardivement. Ils se sont rendus compte, a posteriori, il y a un échange, que... Eh ben, ils avaient eu la même idée, ce qui veut dire au fond que cette Marseillaise n'était plus seulement l'hymne de la Révolution, mais était l'hymne d'une Europe romantique libérée de la monarchie. Alors, je vais vous faire entendre la fin de la version de Schumann et la fin de la version de Wagner. Gewaffnet hervor aus dem Grab, den Kaiser zu schützen. Vous avez entendu la fin de la Marseillaise et vous entendez cette fin extrêmement tragique de Schumann qui, au fond, n'y croit pas. À Wagner, lui, est en France et visiblement, en France, on est beaucoup plus optimiste. Vous avez entendu qu'évidemment la fin de Wagner est beaucoup plus optimiste et triomphante et qu'évidemment on sortira tous du cercueil et on fera triompher les idiots révolutionnaires. Alors, ce même épisode, la retraite de Russie, a aussi inspiré une autre œuvre extrêmement célèbre que je ne peux pas taire dans un exposé sur la Marseillaise dans la musique. C'est la fameuse ouverture 1812 de Tchaïkovski. Alors cette fois-ci, c'est le point de vue russe. Alors, les Russes ont gagné. En tout cas en 1812, et quand Tchaïkovski écrit en 1884, hein, c'est donc beaucoup plus tardif, cette ouverture, eh bien, pour opposer les Russes aux Français, il va choisir un hymne orthodoxe pour qualifier la Russie, c'est pas l'hymne national de la Russie qui n'existe pas encore à cette époque-là, et il oppose de l'autre côté ce qui est en 1882 déjà l'hymne national, c'est pour ça que c'est un bon élément de transition, c'est-à-dire la Marseillaise, puisque ça fait 3 ans que c'est l'hymne national des Français. Et donc je vais vous faire entendre, là encore, pas la totalité, mais la fin
de cet extrait. Ah non, là, ici, il est coupé. Je peux vous le... Les Français qui arrivent. Bientôt le canon va sonner. Phase de transition, donc je disais, où cet hymne révolutionnaire devient, alors ici associé toujours à Napoléon évidemment, mais associé à Napoléon le perdant, et aussi beaucoup plus, et ça on le lit dans la correspondance de Tchaïkovski, associé à l'idée de la France. Et c'est évidemment ce point de bascule se situe dans ces années 1879-1880, et j'allais dire, les années qui suivent vont faire de la Marseillaise un thème beaucoup moins intéressant pour les compositeurs, puisque évidemment non seulement il va y avoir une version officielle, donc le Parlement adopte le 14 février 1879 le chant comme hymne national, il faut attendre 1881 pour que la partition officielle soit publiée au journal officiel et ensuite diffusée, donc c'est celle qui est aujourd'hui jouée par les armées dans toutes les cérémonies officielles, avec, donc c'est la mélodie qu'on connaît de Rouget de Lisle, mais une harmonisation beaucoup plus standard que ce qu'on a entendu par exemple chez Berlioz. On avait quelque chose d'artistique ici, en partie 1880, il ne s'agit plus de faire de l'art, il s'agit de représenter la nation. Et donc évidemment les compositeurs vont d'une certaine manière un peu s'en distancer, ou alors quand ils citent cette Marseillaise, eh bien ils la citent justement
d'une manière un petit peu lointaine, comme le fait par exemple Claude Debussy. Dans ses préludes, alors il y a un de ces préludes qui sont composés entre 1912 et 1913, vous savez qu'il y a deux cahiers, et dans le deuxième cahier, il y a un prélude intitulé « Feu d'artifice », donc qui justement évoque ce 14 juillet, je vous ai mis ici, et ce 14 juillet 1915, deux ans plus tard, où on va transférer les cendres de Rouget de Lille, elles aussi aux Invalides. Et donc celui qui était le génie maudit, hein, puisqu'il n'a jamais connu la gloire de son vivant, recevra paradoxalement, en tout cas c'est un curieux hasard de l'histoire, les honneurs de la France. Donc je vais vous faire entendre cette, alors la fin de ce prélude, c'est un magnifique prélude, et à la fin, vous allez entendre à la toute fin, il y a une très discrète citation de la Marseillaise. Donc il ne s'agit pas de mettre la Marseillaise en avant, évidemment, à cette époque-là, mettre la Marseillaise en avant, c'était aussi glorifier la nation. Non pas que Debussy était antipatriote, mais ce n'était pas le lieu ni l'objet d'un prélude. Et donc c'est la raison pour laquelle, dans les œuvres artistiques à cette époque-là, la Marseillaise, régresse d'une certaine manière en termes de place et de positionnement. Vous voyez, vous avez entendu cinq notes de la Marseillaise, et évidemment, elle est évoquée quasiment de manière impressionniste, alors que tout le prélude, ce sont ces feux d'artifice, c'est-à-dire des magnifiques arabesques harmoniques et timbriques qui se déploient au piano. Alors justement, j'ai voulu l'opposer à une œuvre qui elle est beaucoup plus ancienne, hein, qui date de 1862, mais qui est déjà un hymne aux nations, composé par Giuseppe Verdi en pleine... dans cette pleine décennie des années 1860, où il s'agit de construire toutes les nations, la nation italienne, la nation allemande, et puis aussi en 1871 la Troisième République française. Et donc Verdi anticipe et imagine déjà, alors qu'elle ne l'est pas, la Marseillaise comme hymne national de la France. Alors il faut dire que les révolutionnaires plaidaient, en tout cas les républicains plaidaient et ont plaidé sous la Troisième République entre 71 et 79 pour qu'elle soit hymne national. En fait, les conservateurs n'en voulaient pas, les monarchistes n'en voulaient pas, et ont même demandé d'ailleurs à Saint-Saëns de composer un hymne qui s'appelle « Vive la France », qui est une croûte totale. Et Saint-Saëns avait des choses merveilleuses par ailleurs, mais pas « Vive la France », et donc qui ne l'emportera pas, pour des raisons avant tout politiques et pas musicales. Alors je vous fais juste entendre ce que Verdi imaginait de cette nation française au milieu d'un concert des nations européennes, très rapidement, parce que là encore l'œuvre est très longue, et... mais ça contraste radicalement évidemment avec Debussy. God Save the King. France.
ensuite l'Italie. Donc vous voyez les différentes nations qui passent. Et la France, donc évidemment, célébrée d'une manière tout à fait différente. Alors j'en viens maintenant à ce 20e siècle qui va d'abord tourner le dos, hein, dans la musique savante, va tourner le dos à la musique populaire. Le romantisme est allé puiser son inspiration dans les sources populaires parce qu'il y voyait une forme d'authenticité d'expression de l'homme et aussi ensuite d'une pierre fondamentale pour construire une identité nationale en musique. Le XXe siècle va évidemment, comme vous le savez, notamment les avant-gardes, vont se détourner du nationalisme, et plus encore après 1945, après la tragédie de la Deuxième Guerre mondiale. Et bien évidemment, toutes ces citations qu'on avait abondamment de chants et d'hymnes populaires, eh bien, va décroître. Il y a deux œuvres de la musique contemporaine et véritablement de la musique des avant-gardes. Donc j'ai choisi Ligeti et Stockhausen, qui ne sont vraiment pas, on ne peut pas taxer d'être des compositeurs ni réactionnaires ni passéistes. C'était tout l'inverse, c'était plutôt des contempteurs de l'esthétique romantique. Et donc ceux-là vont, notamment Stockhausen, va réintégrer les hymnes dans une œuvre qui va au fond en déconstruire le principe. Alors cette œuvre, elle s'appelle Hymnen. Donc, c'est assumé. Elle est écrite en 1967 et elle reprend un certain nombre d'hymnes nationaux plus l'international. Et ces hymnes vont être détournés, vont être transformés par des procédés électroacoustiques. Vous savez qu'à cette époque-là, on découvre on savait que le son était une onde et qu'évidemment, cette onde, eh bien, avec un certain nombre de moyens, on peut la transformer. Et c'est les débuts de l'ordinateur, de l'informatique musicale, hein, tout à fait balbutiante, mais c'est ce qu'il va utiliser. Donc il y a des distorsions, comme pour montrer que ce monde des hymnes est en fait un monde du passé et qu'aujourd'hui, eh bien, on doit les voir, on doit les percevoir autrement. Et la manière dont on les perçoit, évidemment, ce ne sont plus des hymnes qu'on met sur des piédestals, mais c'est des hymnes qu'on regarde à la dérobée avec un regard qui est déjà celui d'une société qui les déconstruit. Et il se trouve que cette musique de Stockhausen va servir à un ballet de Michel Descombes qui sera donné en 1970 au Théâtre Contemporain à Paris, Théâtre de la Ville. Et, 1971, je me suis trompé, mais la date est bien écrite ici. Et vous voyez derrière une œuvre de Gérard Fromanger qui s'appelle Le Rouge. Et alors ici, elle est, l'image qu'on a de la production avec le ballet devant, elle est en noir et blanc. Donc c'est une œuvre qu'on a exposée à Strasbourg dans le cadre de l'exposition, qui est une œuvre où le rouge domine et en fait où on voit ces drapeaux européens, des pays européens, ensanglantés par au fond cette révolte de 1968 qui voulait faire table rase sur l'ancien monde. Et il a donc choisi de mettre ces deux œuvres en regard et ça fait évidemment sens et ça donne un sens tout particulier en 1971 après la révolte de mai 1968 à cette œuvre qui, elle, avait été composée avant, mais qui emportait déjà d'une certaine manière les prémices. Alors, je vous fais entendre, l'œuvre est très très longue. Il y a plusieurs versions. Ici, c'est la version véritablement pour bande enregistrée, avec interaction. Il a fait après une version pour orchestre que je ne vous fais pas entendre. C'est vraiment la toute première version. Et je vous fais entendre la région 2, Sumpf enten Quaken, die Marseillaise. C'est le titre. Donc, marée, canard et coassement, la Marseillaise. Donc, vous allez entendre une espèce de borborygme musical dans lequel va émerger cette Marseillaise. Donc, on est aux antipodes, on est bien plus loin que Debussy, on est en antipode de ce que vous avez entendu avec Verdi. La Marseillaise est un klaxon. Hein. Ici, c'est la carte de la Marseillaise, qui en fait est aussi la carte de la canard. Thank you.
Voilà, je pense que c'est assez éloquent sur la manière dont sont complètement déconstruits et ridiculisés d'une certaine manière ici même ces hymnes. Alors, la musique contemporaine n'est pas toujours grinçante, elle est quelquefois aussi plus joyeuse. Et c'est le cas de l'œuvre de Ligeti, puisque Ligeti a créé une œuvre qui s'appelle donc Nonsense Madrigals, donc les madrigaux du non-sens, et dans lequel il reprend des épisodes, notamment ici c'est le cas dans le numéro 5, des épisodes de Alice au Pays des Merveilles, et en fait il va reprendre l'épisode où elle rencontre Séomar qui danse, et Séomar danse un quadri. Quadri, c'est une danse typiquement française. Alors le homard, on le mange aussi en France, bon, pas que en France évidemment, mais les Français sont des mangeurs de homard. Et donc, il va s'en servir pour parodier, au fond, hein, à travers cette lecture fantastique et merveilleuse de l'enfance d'Alice, qui regarde le monde autrement, eh bien, il va amener cette parodie de Marseillaise dans ce quadri des homards. Donc vous l'avez entendu, là encore c'est très discret, hein. On a entendu d'ailleurs un petit bout de God Save the King et ensuite enchaîné sur cette citation de la Marseillaise, tout à fait éloquente. Alors je vais finir justement en restant dans ces années 1960, mais en me plaçant dans un autre genre qui est le genre de la musique de variété et de la musique rock. Ou reggae, dans le cadre de Serge Gainsbourg, puisque, alors, on reste toujours dans les années 1960, les Beatles, on est toujours en 1967, vont faire la première mondiovision de l'histoire, donc devant 14 millions de téléspectateurs, et l'œuvre qu'ils vont donner en mondiovision, c'est un certain All You Need Is Love, qui est évidemment un hymne à l'amour, un hymne à la libération sexuelle, un hymne aussi, exactement comme le même sens des hymnes de Stockhausen, un hymne qui tourne la page de l'ancien monde, du monde des nations, du monde d'une Europe voilà, qui s'est battue, au fond, dont le nationalisme a amené la guerre. Évidemment, c'est autre chose, c'est le flower power qui est en train de naître, et on entend au début du chant du song des Beatles, on entend la Marseillaise. Cette Marseillaise n'est pas du tout un signal de la Révolution. Pour moi, c'est évidemment le symbole plutôt de la guerre et du militaire. Elle reprend finalement même son sens de chant de guerre. Et on l'entend un peu au début, et évidemment, rapidement, le rythme change et devient une ballade. Et c'est une ballade avec un hymne à l'amour. Et évidemment, comme si cet amour et le pouvoir des fleurs allaient remplacer cette société militarisée, cette société qui s'est fait la guerre, parce que juste des peuples n'arrivaient pas à se comprendre entre eux, et finalement la seule manière peut-être pour les peuples de s'entendre, c'est de s'aimer. Et c'est au fond ce que chantent les Beatles, 1967. «
sing the country song. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that can't be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time. It's easy. Bien, je coupe ici à cette première strophe pour finir sur la dernière œuvre que je voulais vous faire entendre dans ce parcours et qui est tout à fait dans le prolongement de ce que je viens de dire des Beatles, dans cette même logique de contestation. C'est la Marseillaise, donc Aux armes, etc., de Serge Gainsbourg, qui, vous le voyez ici, a fait scandale, un concert annulé à Strasbourg, puisqu'il est venu point levé devant les paras le 5 janvier 1980. Ici, c'est les images de Lina. Il avait donc voulu faire une Marseillaise qui soit une Marseillaise au goût du jour. N'oublions pas que la Marseillaise était le chant du peuple. Et cette Marseillaise, eh bien, les créateurs avaient besoin de pouvoir l'adapter. C'est pour ça que j'ai mis comme titre de la Dia à toutes les sauces, c'est-à-dire aussi aux différentes esthétiques, aux différents langages musicaux. Et pourquoi pas faire une Marseillaise reggae. Et au fond, c'est ce que Gainsbourg a fait avec une chose encore plus provocante, c'est qu'il n'a pas repris in extenso les paroles. Et il s'en est défendu en disant que l'autographe de Rouget de Lisle, qui est d'ailleurs en possession de sa famille, qu'il a acheté à ce moment-là, bien sûr, l'autographe ne figure pas aux armes citoyens, mais lorsque le refrain est repris, tout simplement aux armes, etc. C'était l'usage. On ne réécrivait pas les paroles d'un refrain. Aujourd'hui, on a Word, on fait copier-coller, c'est vite fait. À l'époque, on s'embêtait pas. Et c'était etc., votre coller. Et donc, il s'en est défendu en disant « j'ai parfaitement raison ». Et puis, la Marseillaise, elle appartient à tout le monde. On peut aujourd'hui la changer. Alors, c'est évidemment une question fondamentale. Est-ce que... parce qu'on en a fait un hymne national, la Marseillaise doit rester immuable et intangible, comme hymne peut-être, et encore, le peuple lui aussi évolue, comme matériau musical, évidemment pas, et c'est la liberté qu'a pris Serge Gainsbourg, et c'est sur cet extrait que j'aimerais finir cette conférence. Plus, nous y trouverons leur poussière.
Je vous remercie et je me tiens bien entendu à votre disposition pour d'éventuelles questions. Merci beaucoup Mathieu Schneider pour cette conférence passionnante, musicale. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, des réactions ? Ouais. Merci. Oui, merci beaucoup pour cette conférence. Je pensais que vous alliez évoquer aussi l'origine au niveau de la musique par rapport à Mozart. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous rappeler là ? Oui, vous pensez au concerto Köchel 504 ? Oui, voilà, ce qui est... Alors, est-ce que c'est une légende ? Est-ce que c'est... Non, ce n'est pas une légende. De toute façon, je veux dire, la Marseillaise... Bon, Mozart n'a pas composé la Marseillaise, évidemment, puisque en 1792, il était mort. Donc, au moins, la question est résolue. Évidemment, on trouve un certain nombre de chants de cette époque... y compris d'ailleurs des références qui sont faites à un moment dans la correspondance de Rouget de Lisle à un air de Sargine, donc un opéra comique qui a été donné dans les années 1780 où on disait qu'on chanterait la Marseillaise sur les paroles, sur la musique de l'air de Sargine. Alors en fait c'est pas tout à fait la même, ce sont des airs de marche, et donc ce qu'il faut bien voir c'est que quand Rouget de Lisle écrit ce chant, il l'écrit déjà avec son environnement l'environnement musical qui est le sien. Il vient de Vienne, il a étudié à Vienne, donc il a évidemment entendu, très probablement, le concerto de Mozart, ou en tout cas, il l'a eu dans les mains. Il a entendu de la musique militaire, il a entendu de la musique de marche, hein, c'est la musique militaire à cette époque-là, c'est une marche. Or, la Marseillaise, c'est une marche. C'est, évidemment, ça en a toutes les caractéristiques, l'arpège initial, le rythme pointé, la mesure à quatre temps, le rythme, etc. La seule chose qui est assez étonnante dans ce chant, c'est la section mineure, qui est absolument inhabituelle dans des marches militaires, puisqu'en règle générale, il s'agit de donner de l'élan, donc le mineur a toujours tendance un peu à ralentir ça. Donc, mon interprétation est que, en fait, Rouget de Lisle. Alors, donc, Rouget de Lisle était. Je parlais de Pleyel. Donc, évidemment, c'est pas Pleyel qui a composé, mais Rouget de Lisle a travaillé avec Pleyel pendant un an. Donc, il est fort probable que, initié aux techniques qui étaient celles de Vienne, il lui ait fait lire des partitions, peut-être même aussi des partitions de Mozart. Donc, je pense que cet environnement, Rouget de Lisle l'a eu via Pleyel. Alors, certains ont dit, eh bien, s'il l'a eu via Pleyel, c'est peut-être que Pleyel l'a composé et que Rouget de Lisle n'est pas le compositeur de la Marseillaise. C'était ça, là, le grand chose. C'est pas la querelle n'est pas de savoir est-ce que c'est Mozart ou Rouget de Lisle, évidemment. Donc, c'est Pleyel ou Rouget de Lisle. Donc, on a refait des recherches. Je dis on, c'est Monique Fuchs et moi-même. Autour de cette Marseillaise, on est retourné dans les archives de Dietrich et c'est bien. Alors, déjà, il est attesté que Pleyel n'était pas là, et il est bien attesté que c'est Rouget de Lisle qui est authentifié, même par le maire, dans la correspondance immédiate après le 25 avril, comme étant le compositeur. Alors, est-ce qu'il aurait repris quelque chose de Pleyel que Pleyel avait laissé à ce moment-là ? Ça, on ne le sait pas. Ce qui est sûr, c'est que la paternité revient évidemment entièrement à Rouget de Lisle. En plus, à cette époque-là, les remplois étaient tout à fait fréquents
et il n'y avait pas la notion de droit d'auteur comme aujourd'hui, donc il ne s'agit pas de plagiat, c'est-à-dire il y avait un certain nombre de compositeurs qui se plagiaient entre eux à cette époque, c'était pas la même logique. Donc, de toute façon, ça ne remet pas en cause la paternité de Roger de Lisle, mais évidemment, ça montre qu'il y a dû avoir un lien. Le lien entre Roger de Lisle et Pleyel était très fort, et donc le lien était très fort aussi avec la musique viennoise, et que Roger de Lisle en a été d'une certaine manière imprégné. C'est ça ce que ça prouve. Mais évidemment, donc le thème de Mozart est proche, mais en même temps, c'est quand même pas tout à fait le même. C'est un bout, mais c'est pas la totalité du chant. Donc voilà, sur Mozart, ce que je peux dire de l'état des sources actuellement. Merci. Est-ce que Roger de Lisle a laissé d'autres traces notables en tant que compositeur, ou est-ce que c'est vraiment un accident dans sa carrière? Non, c'est pas un accident dans sa carrière. Roger de Lisle avait composé à l'époque, il avait composé quelques airs, quelques sonates, avant même la période révolutionnaire. De tout ça, on n'a rien gardé du tout, parce que Roger de Lisle est mort dans le plus pur dénuement. Ses amis en 1830 ont lancé une souscription pour ériger un buste qui d'ailleurs est exposé, alors je ne sais pas s'il est exposé à Marseille, mais en tout cas nous on l'avait exposé à Strasbourg, voilà, qui a été fait de son vivant. Mais alors Berlioz est en fait le seul qui ait sauvé les œuvres de Roger de Lisle, parce que Berlioz avait une grande admiration pour Roger de Lisle, et donc il a arrangé pour orchestre quelques autres de ces hymnes révolutionnaires, et c'est les seules choses qui nous restent via Berlioz. D'ailleurs, il y a une correspondance entre Berlioz et Roger de Lisle, et Roger de Lisle écrit à Berlioz: je ne comprends pas comment un compositeur aussi brillant et talentueux que vous s'intéresse à un pauvre et misérable compositeur comme moi qui n'a écrit que des croûtes. Et donc Berlioz reproduit dans ses mémoires, que je vous invite à lire, dans le chapitre justement où il évoque la Marseillaise, il reproduit cette lettre que lui a envoyée Roger de Lisle, qui pour lui est une lettre très importante, parce qu'il avait beaucoup d'estime pour Roger de Lisle. Mais il n'a sauvé de lui que les œuvres révolutionnaires, quelques-unes. Et on va dire les révolutionnaires qui se retrouvaient ensemble pour s'entraîner, enfin faire une répétition peut-être, je ne sais pas. Oui, alors sur l'histoire marseillaise, je dois dire que là, pour le coup, je suis moins calé. Donc je préfère me cantonner à la question musicale qui est la mienne. Donc. Voilà, je suis désolé, mais là je préférais que ce soit, il n'est pas là ce soir, Fabrice Denise, qui a suivi, qui est le commissaire pour Marseille, qui répond à la question. Je suis désolé de botter en touche. Si je peux répondre, enfin tout simplement, avant d'être donc le lieu de rencontre du club des Jacobins, du club des Amis de la Constitution, ça a été en effet une salle de paume. Voilà. Mais pendant la période révolutionnaire, ça a été un espace utilisé par le Club des Amis de la Constitution, où a été entonné pour la première fois donc le chant justement de l'Armée du Rhin. Qui a été chanté par François Mireur. Oui, exactement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être juste en fait par rapport aux études que vous avez faites autour de la Marseillaise, et est-ce que vous avez recensé le volume des réinterprétations ou des réemplois justement des différents compositeurs après la création de ce chant? Alors il faut rendre à César ce qui est à César. Le premier travaux conséquent sur le sujet, c'est Frédéric Robert qui les a fait dans sa thèse, donc qui a fait un recensement. Donc là, on est à plus de 150 œuvres qui remploient la Marseillaise entre l'époque de sa création, donc 1792, et l'apparition de son livre, c'est-à-dire il y a une quinzaine d'années. C'est vrai que quand on a fait cette exposition, régulièrement, il y en a l'un ou l'autre qui redécouvrait, notamment, enfin qui découvrait des réinterprétations. Bon, on pense à Django Reinhardt, on pense évidemment. J'avais aussi prévu, voilà, par exemple Claude Bolling qui a fait une version swing de la Marseillaise.
C'était un peu en musique de sortie. Donc évidemment, il y a énormément d'emplois et ça continue de nos jours. C'est-à-dire que la Marseillaise continue d'être un matériau dont se servent les artistes. Et bon, je crois l'épisode Gainsbourg, le traumatisme de Gainsbourg étant passé, ça a décomplexé un certain nombre d'artistes. Donc c'est dur de donner un chiffre parce qu'en fait, on voit régulièrement, même sur YouTube, fleurir de nouvelles interprétations, réinterprétations de la Marseillaise. En tout cas, pour donner un chiffre, donc on est aux alentours de 150 remplois dans la musique savante. Je parle de la musique savante. Et là, pour le coup, pas de la variété, entre 1792 et le début du XXIe siècle. Voilà. Écoutez, on va peut-être, s'il n'y a pas d'autres questions, clore cette rencontre. Encore un grand merci, Mathieu Schneider. Merci à vous. Merci à vous. Et je vous invite donc à participer au prochain concert que nous organisons. Donc je vous ai parlé de la Nuit des Musées, du concert que nous proposons. Alors là encore une réinterprétation, donc mais très, on va dire, iconoclaste, puisqu'on sera en fait dans une esthétique plutôt de musique urbaine. Voilà, donc ça c'est samedi prochain à 20h. Et puis il y aura aussi deux autres rendez-vous à ne pas manquer sur le plan musical. Donc le 21 juin, il y aura en fait un concert qui sera donné, donc plutôt musique 19e, avec des instruments historiques. Et ce sera aussi l'occasion justement, donc c'est l'Armée des Romantiques donc qui va développer ces pièces de concert et qui expliquera également dans quel cadre ces pièces ont été conçues, donc de Schumann, de Saint-Saëns, de Mendelssohn, enfin un certain nombre donc compositeurs du 19e. Donc le 21 juin, il y aura juste avant ce concert, ah oui, aussi le 21 mai, Nicolas Mazmanian, qui est un pianiste et qui va interpréter donc ici même au Musée d'Histoire de Marseille dans l'auditorium samedi, donc 21 mai. Également des pièces, mais plutôt liées. Donc là, on est sur la thématique de la Marseillaise, mais on sera plutôt sur des chants révolutionnaires, des hymnes nationaux. Donc un travail autour de cette thématique. Nicolas Mazmanian, pianiste, et surtout, alors en tout cas, surtout, peut-être pas surtout, mais je pense que c'est quand même important de le noter. Le 4 juin prochain, au Théâtre Sylvain. D'ailleurs, peut-être que Mathieu, tu as participé au concert qui a été donné à Strasbourg et donc qui va être reproposé donc à Marseille. Donc c'est une création musicale, une totale réinterprétation à la fois du texte mais aussi de la musique par un compositeur contemporain qui s'appelle Alexandros Markeas, et Pierre Saint-Gès, donc écrivain, a réécrit le livret en fait de cette musique, et qui sera donné donc au Théâtre Sylvain le 4 juin. Et il y aura quand même 300, quasiment entre 250 et 300 personnes sur scène, puisque c'est un vrai projet participatif. Et autant nous avons des professionnels que vous devez connaître comme Raphaël Imbert ou Vincent Berdemandeur, mandoliniste, avec son orchestre à plectre qui sera présent. Également l'ensemble Sébaré, qui est un ensemble de musique contemporaine. Le Quatuor Aletheia, mais il y aura aussi de nombreux amateurs, de chanteurs et aussi des enfants qui ont participé également et qui ont été formés pendant plusieurs séances en fait de chant vocal, voilà, qui ont été formés et qui chanteront sur scène. Donc un très grand moment, je pense. Moi, j'ai assisté aux répétitions, j'ai pas vu le concert de Strasbourg, mais peut-être tu peux en parler, j'espère, en bien. C'était un moment absolument magique, je crois que tout le monde s'en souvient encore. Il y a rien de plus à dire que, j'allais dire, aller l'écouter. Ça a fait pétiller les yeux à la fois des jeunes qui chantaient, puisque à Strasbourg c'était pareil, c'était des jeunes, et c'est une musique qui marche très très bien, qui est très belle et très poétique, et en même temps extrêmement efficace, dans le sens où c'est pas trop difficile pour les enfants, et donc ils prennent un vrai plaisir à chanter et à jouer. Donc allez-y. Voilà. Et prochain rendez-vous, donc le 31 mai, des Mardis de l'Histoire, avec Patrice Guénifet. J'en ai déjà parlé autour de la Marseillaise.